Hello les amis, on est vendredi, il est 9h du matin, on vient à peine de descendre de l'étage avec les garçons. En fait, j'ai pas encore d'organisation ni de routine à proprement parler parce qu'avec un petit bébé, c'est juste pas possible. Ça dépend aussi de la nuit que j'ai passée. Et cette nuit, c'était un peu compliqué. Le petit s'est réveillé deux fois, là ça va, mais le plus grand s'est réveillé trois fois, donc l'un après l'autre, j'ai pas beaucoup dormi. Du coup, ce matin, j'ai un peu traîné au lit avec eux, et du coup le temps de préparer le bébé, l'Ouméo et ensuite moi. Voilà, on a pris notre temps, là il est 9h, on vient de descendre. Moi je bois ma petite sève de bouleau pour la détox de printemps et je vais préparer le petit déjeuner de l'Ouméo, je vais vous montrer ça. Voilà, et on en a un qui est fatigué ici, donc il va falloir que je l'allaite et qu'il fasse son petit dodo. Et puis je vous emmène avec moi dans cette journée. Ce matin on va faire un peu de batch cooking, un tout petit batch cooking. J'ai aussi une réunion cet après-midi. J'aimerais aussi m'occuper du dressing, faire place nette pour le dressing printemps-été. Voilà, bref, je vous emmène et je vous dis à tout à l'heure. Sunday, thinking maybe, don't you wanna spend some time? Been so patient, like I've been waiting 40 days and 40 nights. I've got a confession and a craving for you, babe. I just don't. Donc pour le petit déjeuner de l'Ouméo ce matin-là, je lui ai tout simplement haché une pomme. J'ai rajouté quelques petits raisins secs et cranberries. Il n'a pas un grand appétit le matin, du coup il a mangé même pas la moitié de son bol. Et Satine, elle s'emmène son petit déjeuner à l'école dans une boîte. Du coup elle emmène toujours un fruit, donc une banane, une pomme ou autre. Et elle accompagne ça avec des petits biscuits ou bien un cake que j'ai fait ou des energy balls, ça dépend de ce que je prépare à côté. En tout cas, j'aime bien qu'il commence toujours par des fruits le matin, c'est très très important. Alors, il me reste toutes ces bananes qui sont archi trop mûres, du coup je vais en congeler une partie. Et l'autre partie, je vais faire un cake banane chocolat. Je vais préparer un cake aux olives et tomates séchées et je vais faire mariner du tofu lacto-fermenté. Voilà, pour l'instant, on va faire ça pendant la sieste du bébé. Je vous mettrai toutes les recettes dans la barre d'infos et j'avais aussi préparé une tarte au chou-fleur et aux lentilles corail parce que j'avais une pâte feuilletée qu'il fallait absolument faire parce qu'elle était périmée. Et du coup j'ai utilisé des choux-fleurs surgelés, des lentilles corail, je les ai fait cuire à l'eau bouillante tout simplement et ensuite j'ai fait un petit appareil aux œufs. Bref, vous verrez toutes les recettes dans la barre d'infos, elles seront bien détaillées. Romeo, I want my Romeo, Romeo. Yeah, I want something classic, but all these boys are tragic. Romeo. Why'd you have to go and set the bar so high? Et voilà, pile poil à l'heure, pendant que tout était au four, j'ai pu lancer ma petite masterclass en direct et pendant ce temps, j'ai rangé toute la cuisine. Et voilà le résultat de mon batch cooking de ce matin. Alors j'ai fait 3 sachets de bananes que je mets au congélateur pour faire les smoothies. Généralement je mets avec des épinards, mais là je n'en ai plus comme je fais les courses que demain. Ici j'ai rajouté une petite pomme en morceaux, on verra ce que ça donne. Ensuite j'ai fait une tarte aux choux-fleurs et aux lentilles corail, donc c'était des choux-fleurs surgelés. J'ai fait un cake aux olives et aux tomates séchées. Un cake banane chocolat. Et ici j'ai fait mariner du tofu lacto-fermenté, donc j'ai mis de la sauce soja, du vinaigre balsamique, du gingembre, du sel et des herbes de Provence. Voilà, on verra ce que ça donne. Donc j'ai fait tout ça en une heure à peu près.
Et ensuite, pendant que tout était au four, j'ai pu ranger toute la cuisine. Et en même temps, je profite de ma petite masterclass sur les soins de la peau. Voilà, et là, ça va être l'heure d'aller à l'école. Nobody else gonna hold me down, down. Gave it all away, been on high speed, go, go. Tonight I'm needing me and a pre-roll to go. Cause I just need to feel the love. Yeah, when I wanna feel the love, I give it to myself. I can't get it from nobody else. Alors comme je vous l'avais déjà dit, j'aime bien tous les jours préparer soit un jus, soit un smoothie pour que les enfants ils aient vraiment, et puis moi aussi d'ailleurs, pour qu'on ait vraiment un bon apport en vitamines, en minéraux, etc. Du coup, ce jour-là, c'était le jus, donc j'ai préparé une dizaine de carottes, deux oranges et un citron. Comme Thomas n'était pas là, c'était largement suffisant pour moi et les enfants. Et comme d'habitude, j'ai mon petit assistant Luméo qui vient m'aider avec grand plaisir. Et puis son grand plaisir, c'est surtout de grignoter tout ce que j'ai découpé. Baddest bitch in town. Look into the mirror, shoot a wink, say yo yo. I'm in love with me, and I don't care who knows it. I just need to feel the love. Yeah, when I wanna feel the love, I give it to myself. I can't get it from nobody else. Yeah, I'm getting it this time. Drive back home, I know where I'm getting it now. Yeah, it's gotta start with me. I've been storing all my energy. I've been by my own life. Slow back down, I left on. Et du coup, pour le midi, j'étais bien contente d'avoir préparé quelques petites choses le matin. Du coup, on a mangé une salade verte avec du kaïkos aux olives, la tarte au chou-fleur et quelques morceaux de tofu. Et ensuite, le bébé s'est endormi, donc je l'ai tout de suite mis dans le cosy comme on allait bientôt partir ramener Satine à l'école. Et pendant ce temps, j'ai rangé et lavé la cuisine. Et nous voici un peu plus tard dans l'après-midi, j'ai posé le petit bébé sur le lit et on a attaqué avec Luméo le dressing. Voilà, donc j'ai enlevé tout ce qui était automne-hiver pour faire place au printemps-été. Comme vous le voyez, le dressing était dans un piteux état, comme toujours hein, quand je change de saison. C'est le chaos total dans les tiroirs, partout il y a beaucoup de tri à faire, surtout pour les enfants parce qu'il y avait plein de choses qui n'allaient plus à Luméo. Bref, donc j'ai fait ça, j'ai trié, j'ai rangé. Là j'ai commencé par sortir tous les habits d'été que je stocke en fait dans les tiroirs du bas. Donc j'ai tout sorti, j'ai tout mis sur le lit et ensuite à la place j'ai mis tout ce qui est pull, etc. Et voilà, j'ai fait ça assez rapidement, en une heure c'était bouclé. Généralement, j'en profite aussi pour faire le tri de tout ce que je ne veux plus pour vendre sur Vinted, mais là j'ai clairement pas eu le temps, le petit s'impatientait sur le lit, du coup j'ai tout mis en place et je ferai ça un autre jour. Et il faudra aussi que je fasse tout ce qui est vêtements bébé parce que là non plus j'ai pas eu le temps. En plus il y a un gros tri à faire aussi parce que là le 3 mois devient beaucoup trop petit, il faut que je passe aux 6 mois. Voilà, du coup je vais me prendre une après-midi prochainement pour faire ça, Vinted et les habits de bébé. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir en commentaire me dire votre compte Vinted, comme ça je viendrai vous suivre et peut-être que je trouverai des petites pépites chez vous. La.
I got my head out the sunroof. I'm blasting my favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. You got those pretty eyes in your head. You know it. You got me dancing in my bed, so let me show it. You are exactly what I want. Kinda cool and kinda not. Wanna give myself to you. Yeah, we're driving down the freeway at night. I only got one thing in the back of my mind. Et voilà, on est rentré à la maison, on était allé un petit peu à l'aire de jeu après l'école. Et là, on prépare Satine pour la danse le vendredi soir et la répétition pour ses ballets. Et voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à me laisser un petit pouce bleu ou un commentaire, je serai ravie de vous lire. Et je vous dis à très très bientôt.